Bonjour à tous, on est samedi matin. Il est 9h du matin et du coup on se retrouve à sur la Vuelta virtuelle. Si tout est branché et tout, normalement tout devrait bien marcher. Alors aujourd'hui, étape longue et difficile, puisque nous avons 41 km et en plus c'est 41 km avec deux belles montées, deux segments chronométrés d'ailleurs, et un segment de sprint au début. Alors le segment de sprint au début, il est pour Elvis, il y a son nom dessus, parce que lui son objectif c'est de se battre pour le maillot vert. Et évidemment nous, en tant qu'équipe, le but c'est de se battre pour le classement par équipe. Alors attendez, je vais remettre l'écran droit, je l'avais bougé hier, j'ai pas envie de faire 2 heures face à un écran de travail. Voilà. Donc petit warm-up de 8 minutes, c'est pas beaucoup. C'est pas assez même. On va dire bonjour à tout le monde. Donc il y a plusieurs créneaux de course. Ah d'ailleurs. D'ailleurs. On aurait pu regarder. Ah il y a Jérôme aussi. Incroyable. Normalement il y a Joël aussi, et normalement il y a aussi, je pense que si Régis le fait, il va faire le créneau du matin. Et il y a des nouveaux noms, des gens qui reviennent un peu pendant l'hiver. Monsieur Cormeret, je ne l'ai jamais vu. Alors je voulais regarder un petit peu ce matin, combien de temps ils avaient mis. Pour se faire une idée. Il y a pas les résultats. Ok, pas super. Donc il y en a un qui vient, Monsieur Baumgartner qui vient pour sa première course. D'ailleurs, on va se mettre aussi sur le Discord. On a des gens ici sur les... Oh oui, il y a du monde là, il y a Benjamin, il y a Joël. Ah non, c'est pas Benjamin, pardon, c'est Jérôme. Et Révis. Bonjour. Salut. Ah, salut. Thomas. Salut, salut. Ah bah. C'est là aussi Jérôme, je t'avais pas entendu. Ouais, si, parce que j'ai fait une discussion vélo, intéressant. Salut à tous. Salut, Rémi. Du coup, c'est tout ce monde-là. Il y a Régis en plus, il y a Joël qui va nous rejoindre. Ouais, il y a deux belles bosses là. Ah ouais, il y a deux belles bosses. Ouais. Ah, oui. Il y a un segment de sprint, alors il y a le nom de Régis dessus.
C'est ça, moi, au kilomètre 3, je vous abandonne. Ah, alors attention, il faut aller jusqu'au bout de la course pour que le segment compte. Ouais, c'est bien là le drame. Hein. T'as mis ton maillot vert? Ah ouais, mais y a que des maillots verts pourris, en fait. On se croirait au Tour de France, là. Ah, t'as un truc plus haut. J'ai pris, alors je sais pas comment c'est un verre un peu kaki, mais bon. Après... Ah, c'est un matériel maillot de l'application. Bon, okay. Je relance, j'espère que je vais être dans les temps. 4 minutes. C'est ça, mon maillot vert du coup. Meilleur sprinter actuellement sur le... sur la Vuelta. Et donc on a Wouter aussi devant, qui doit être lui, oui voilà, ici. Et en maillot... Ah oh, bah non, alors du coup ça c'est pas Wouter, mais il a le même maillot. Lui, il a le maillot rouge de leader du classement général. On est sur la Vuelta, donc... Donc si vous voyez un maillot rouge comme ça, avec un drapeau belge, bah, du coup c'est Wouter, qui est le... à la fois le leader du classement général et le leader du classement des grimpeurs. Et Régis, il a un tout petit peu d'avance sur... mais vraiment quelques points. Bon, d'ailleurs, la strat sur le segment, je ne sais pas comment tu dois le jouer. J'en sais rien. En vrai, il se fera plus surprendre. Donc tu peux pas le... Tu peux pas faire le kilomètre, parce que je pense qu'il va plus vite que toi. Ouais, c'est ça, mais jusqu'à présent, ça a marché. Mais là, je pense que vu en plus le profil qu'il y a juste avant, il y a des chances que je sois un peu derrière. Non, mais attends, on va être deux sur le sprint, Régis. Ouais. Donc moi, je vais jouer le 2 km, tu t'accroches dans ma roue, et après tu vas au kilomètre. On peut, hein. Moi, j'essaie de m'accrocher pour vous aider, à la limite, hein. De toute façon, c'est pas une étape pour moi, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut le sortir de la roue, après s'il est dans la roue, ça sert à rien, mais... Ah, et bah c'est dur, hein, et... c'est clair. Et après, tu vois, je vois le profil, là, je le découvre en même temps. Il y a un petit faux plat montant juste avant. Donc c'est... Enfin, moi, je sais pas trop où est-ce que j'en serais. Qu'est-ce qui se passe là, avec le pédalier qui tourne tout seul, là aussi, vélo électrique. Je... Ouais. Il y a un moteur, il fait là. Combien? Une borne, là, le segment, à peu près, de toute façon. Je vais y aller un peu en live, je pense. Bon, je me suis remis full IF, hein, du coup. Je suis tout en rose. Ah, c'est toi qui es juste derrière moi. Non, ouais, c'est ça. Ah, c'est possible. Ah bah, donc là, je le vois, il est deux lignes devant moi. Il doit être juste devant toi, du coup. Moi, j'ai pas le... Il y en a qui ont des vélos électriques dans le classement, là, dans le sas de départ, parce qu'ils ont le pédalier qui bouge tout seul, là. Ouais, c'est ça. Ça me perturbe, ça, à chaque fois. Je me dis, mais... c'est déjà de la magouille ou pas? Parce que... Moi, je pédale et mon pédalier, il bouge pas. Ouais, bah moi non plus. Après, pour le sprint, la vraie difficulté, ça va être demain, et finalement, j'ai pas beaucoup d'avance par rapport à Wout, là, du coup... Je pense que même si je fais une super place aujourd'hui, demain je me fais redoubler, quoi. Ouais, et même aujourd'hui, je t'avoue que ça va être difficile parce que. Mais ça, il a ça. Bon. Le seul truc qui marcherait, c'est si vraiment on fait comme l'autre fois, qu'on arrive à le mettre 20e du sprint. Mais bon, j'y crois pas trop. Ça va pas se faire avoir deux fois, quoi. Ouais, au moins, on aura eu une vraie bataille. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Va... À l'autre fois, j'étais content. On avait réussi à caler pile poil pour que ça marche. Franchement, il y a pire. Il reste 30 secondes, les gars. C'est le départ. Ouais, je l'ai pas vu. Bon, ben 3 secondes, ça suffit pour être devant. Et c'est parti. Wouhou. Ah, il y a Van Biers, ça faisait longtemps.
Là, c'est bon. Roue libre. Et fallait pas lâcher le groupe, là. Là, ça m'a secoué le départ. Oh, je... 700 watts d'économiser, c'est pas mal. C'est mon record, je crois, là. Bah, ouais, je suis monté à vite, ça, là. Je pédale, c'est juste pour être sûr que je suis toujours clipsé. Bon, attention, le coup de cul va vite arriver quand même. Dans un groupe comme ça, auto-évitement on, je pense. Le coup de cul, il va être très rapide par contre. Ouais, là déjà il y a un petit faux plat à 3% là qui arrive. On n'entend plus Jérôme, ça va? Ah, je l'ai sur toi. Du coup, les objectifs, c'est essayer d'aider Régis et battre les Ratio Racing. En Ratio Racing, il y a Soli qui est devant nous, avec nous. Il y a Van Gier qui est cinquième, là. Et Van Gier, il est très fort. C'est un très gros rouleur. Ah, Van Gier. Van Gier, je sais pas comment ça se dit, mais bref. Ah, mais il a été là tous les fois d'avant aussi. Je l'ai vu la dernière fois, ça tout. Ah bah la fois je l'ai pas vu moi. Ok. Mais il le fait à 9h à chaque fois, à 9h du matin. D'accord. Et ils sont deux, c'est deux frères. Ou père et fils, je sais pas, mais ils sont deux. La moindre descente, je me retrouve doublé en 2 secondes quoi. C'est impressionnant. Allez attention, ça va tirer les pattes. Allez, à que 700 mètres. Pour l'instant, un jeu de soir, c'est que les bots. Le spin qui va être dur avec le faux plat juste avant la vache. Ouais. Alors du coup, auto-hypédon spawn, c'est une bonne idée, mais j'en découvre à chaque fois. Dans les descentes, quand tu rattrapes, c'est naze. Parce que du coup, ouais.
Avatar, même de très loin, dépasse le groupe, donc il se met sur le côté. Donc ça m'a fait perdre tous les drafts d'un peloton en descente. Une histoire mal si courageuse. Donc attention, les Moonriders, ils sont capables de collaborer aussi avec Water. Donc c'est le maillot blanc avec les traits verts. Alors, regardez devant. La cible, c'est le maillot rouge, Rémi. Ouais, il est dans la roue. Allez, Régis! Allez, 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 allez! 300 mètres!
Allez, 200, 200. Là, tu vas, vas-y, 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 vas-y. Bon, hauteur est 15 mètres derrière, c'est bien. 100 mètres, allez. Le véhicule 100% électrique accessible à tous à partir de 70. 20 mètres, ouais, bon, GG. Et t'as découvert dans les jours écrits. Pas beaucoup, forcément. Offre réservée aux particuliers valable pour ce hors option à l'aide de 30 000 km d'Acia Cordiac. Conditions sur Dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Vous aviez débuté en même temps? Oh, j'étais. Il se m'a dit. 10 mètres derrière. Bah pourquoi? Mais là je suis mort. Je continue ma course hein, parce que du coup ça va être le deuxième entre toi et moi, donc moi je me concentre pour les points à l'arrivée. Mais continue parce que t'as une bonne avance sur moi là. On va essayer de revenir sur Joël. Ouais. Ah, vous allez pas venir ça récupérer. Et après, je vais être solide. Après, solide est très très lourd. Nous a repris. Ah.
vais leur donner un autre way parce que c'est moi qui suis devant à 210, 220 mètres. Gaffe, tu vas réaccélérer. Tu vas partir un peu pentu. Je sais qu'il est important de préserver sa confidentialité et ses données et d'éviter les malheureux arnaques. T'as quel kilomètre, Régis? 11,34. Oula, ok, ça marche, merci. Il semble être, ça veut dire qu'il a 1 minute 30 d'avance. Alors, Régis, tu vas prendre des roues en fait. T'as 2 minutes devant sur moi. Ok. Mais on attaque la bosse là. Oh ouais, bah je vais faire ma course aussi, mais tu pars avec un bel avantage donc. Contre la montre, contre toi-même. Ouais, mais. Je pense qu'on aura pas trop de problèmes. Et du coup, c'est parce qu'on parle du classement par équipe, Jérôme. Du coup, l'équipe était pré-inscrite, on était 8. J'ai compris, ouais. Je sais que t'es RGT France, mais c'est pour ça que ça compte pas dedans. Ah, y'a un maximum. Je savais pas qu'il y avait un maximum de 8. Si, ouais, on était 8 inscrits, et du coup, ouais.
Et 8 slots étaient pris. Ah, parce qu'il y a encore, je dis à Jérôme, vas-y, viens rouler. Ah, tu l'as arnaqué, quoi. Ouais, je savais vraiment pas. Ah, c'est pas grave, Jérôme, c'est pour refaire la caisse. Exactement, non, je le prends comme ça, moi, c'est... voir conditions sur jiffy.fr. Et la partie intéressante commence ici. Allez, essayez de recoller ma voix avant la bascule. Comme ça, on pourra faire un trou. C'est compliqué. Woo!
On va pas faire le même poids avec Max Milti. Allez, on va Régis. On peut penser qu'on a tout passé à l'électrique. On peut décider de faire un câble. Il n'y en a pas qui... Il n'y en a pas qui ont couru cette nuit, donc il n'y a pas de temps de référence. Moi j'ai marqué 6 minutes, 12 minutes 17. Mais je sais pas s'il a fait... Cette... Il a fait une reco de la Magic Road. Ah ouais. J'arrive. J'ai emmerdé de temps à ton plateau avant. Mon derrière, c'est réglé. Il avait réglé, mais il a repoussé. Je sais pas pourquoi. Du coup, là, j'arrive pas à placer le grand plateau. Qu'on passe cette partie au train pour pas que seul vous rattrape. Ah, puis non, les premiers sont déjà passés en fait, Régis. Ah, ouais, c'est ça. Depuis un petit moment même. Moi j'ai encore 1000 mètres à faire, 1200. Profite de la bascule. Premier jet, il a mis 11 minutes 58. À 13h, il n'y a pas de draft.
Et deux de devant, ils mettent aucun bot, t'as vu? Enfin, très peu. Deux bots. Enfin, deux, devant, juste devant lui, je parlais. Ouais. Ouais, je pense quand même, des fois. Pense à la descente, Régis, pense à la descente. Ouais, j'y arrive, j'arrive. Je viens de passer le panneau. Ah, ça va basculer bientôt là. Je le vois. Ah, quelle belle vue. Hey, j'ai une minute de retard sur Régis. Et panneau à mon tour, donc j'ai une grosse minute de retard, une minute 20 de retard sur toi. Soli, c'est un ratio racing, non, Toto? Parce qu'il a le maillot. Un ratio racing. Ok. Donc on a tout intérêt à se distancer dans la côte. Qui était poussé, Joël? Ouais. C'est pas grave. Ouais, c'est mon ping. Des fois, ça... j'ai fait une manip et des fois, il s'arrête pas jusque. Ah, je vois. Quand ça me le fait, moi, j'utilise les touches du clavier. Ouais, mais je suis tablette et téléphone. Ah oui. Parce que de temps en temps, avec le téléphone, ça me fait pareil. Ouais. Alors, des fois, t'as un peu de sueur, j'y suis et ça, enfin, type ça. Allez, Walker. Je peux le faire.
Ah, dans sa roue, j'ai économisé 100 watts. C'est pas le... C'est pas le plus lourd du peloton. Bornes de monter. Il y a un petit repas au milieu qui va faire plaisir, je pense. Oh oui, ça va faire du bien. Ouais. Deux fois cinq minutes à PMA. Va falloir refaire d'ailleurs des workouts ensemble. Ouais. Hein. Je cherche juste à couper les tournants, je cherche pas à le semer, mais j'ai pas envie de me taper tous les tournants à l'extérieur. Allez, j'ai pas l'air de pousser, alors qu'on est plus loin. Allez, réussite dans la montée. 5 km. Voilà la montée donc.
te fais pas péter derrière le bot en dessous de 17ème tour, y'a pas de draft. Pour 4 km de mon tour. Elle est plus vite en délire sur le bord de la route. C'est à la jambe, Jérôme. N'hésite pas sur la prochaine. Ah, franchement. Non, je me dis si on peut basculer ensemble. Et après tirer jusqu'à la. À la ligne. Ça aurait été bien de rentrer sur les deux de devant. Je sais pas comment ils roulent en descente sur le plan. C'est du beau. Le monde, c'est dur. Je sais pas. En fait, des fois, ils roulent pas du tout. Et puis des fois, ils se mettent des accélérations, tu peux pas les suivre, quoi. Genre là, mine de rien, ils roulent 5 watts kilos, hein. 6 watts kilos. Bon, c'était rapproché quoi, à 160 mètres, quoi. Ah, après, peut-être qu'on va y reprendre la bosse, ouais, on va voir. Bon. Moi, je t'avoue que j'étais un peu dans le dur, quand même, hein. Bah moi je suis au-dessus de ma tête là dans les bassins. Pas forcément. Sur la ligne déjà, ça c'est bien. Le public lui il y croit et ça c'est beau. Thank you.
Une toute vitesse à gauche. Quand tu imagines que te attaquer dans le tourmalet à la vitesse que tu prends. Vous pensez qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture? On peut décider de faire confiance à 800 conducteurs. Dacia Sandero, la voiture la plus vendue aux particuliers depuis 7 ans en France, à partir de 6 euros par jour avec 4 ans d'entretien. C'est à découvrir. Merci bébé Flo. On est du coup devant pour la team. Salut monde. Mon seul objectif c'est Régis, on voit en haut du classement. J'espère pour lui qu'il finira dans moi, mais moi, je continue ma course. Fais une bonne sortie zone 3, zone 4. Le parcours est sympa. Deux montées c'est rare. Les organisateurs font ça alors qu'ils peuvent ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les Magic Road. Oula. Oh, le petit changement de rythme là. Je vais tirer dur. Aussi. 2 km. 2 km, mais on voit en haut à droite que la pente elle va être plus dure après. Donc on s'en plaint pas. Allez. Oh.
La 250 mètres. Oh. Bravo, Yé. Il est en train d'exploser les jambes. J'ai perdu l'accélération dans les descentes. Allez, on pousse. 1,3 km. Oh, je suis juste à gauche en plus. Ah, excuse. Ah, chacun sa bataille. Moi, c'est fini. Bon. En plus, ils sont vraiment pas loin derrière. Il y a genre 10 secondes. Ça s'élève un petit coup avant le nage, tu vois. Je me rabats. Alors, j'accélère un petit coup. Allez, Régis, 300 mètres. C'est vrai. Un coup avant, un coup après. Allez, c'est bien devant. Joël a une super locomotive. Moi, le cinéma, c'est ma passion. Mais à la maison, entre les séries de mon mari et les jeux vidéo des enfants, regarder un film, c'est un peu... Allez. Mais avec la fibre de SFR et ma table, j'ai la solution.
Ah vache. Ah bah si tes enfants faisaient ça comme jeu vidéo, ils en joueraient moins longtemps. Regarde, ça y est, moi il déconne mon string, t'as vu? Je fais que des boules droites. Ouais, ah c'est bon. Alors c'est pas bon, ça me le fait encore. Et putain. Enlève le steering et fais-le avec les flèches. Ouais, ah, bah je vais faire au clavier. Je suis à bloc dans la roue. Hein. Non, t'inquiète, c'est que les boss, j'aime bien les faire bien en train. Après, je me relâche un peu. Voilà. Oh putain, eh ben, il m'a délogué du steering, alors je crois que j'ai. Bon, j'ai plus de steering. Ouais. Attends. Après, j'essaie de me mettre devant toi. Je vais essayer de faire quelque chose quand même. Il me semble qu'on est à plus d'un kilomètre d'avance. On n'a pas à s'inquiéter. Alors regardez sur la pédale, ravito, on ira sur le plat. Allez, je crois que j'ai pu remettre. Je voulais y aller un coup. Ah la vache. Et on se met, mais il y a de la descente. Le cœur ça va. Le cœur est pas vraiment monté. Bon il est monté mais par contre. C'est les jambes qui sont lourdes, le problème principal. Ah, il y a 5 secondes entre le gars devant et moi, et 5 secondes entre le gars devant lui et lui. Ok. On peut pas aller si loin. Allez, bouge, prétends, bouge plus. C'est dur de prétendre d'aller plus vite, hein. J'ai explosé dans la montée donc. Y a pas de. Ah, si j'avais été plus vite, j'aurais pu aller plus vite. Non, là j'ai explosé. C'était naze. Ça arrive, hein. Ouais, il fait gauche, droite. On fait la descente, récup. On va pas gaspiller les boîtes ici. On pousse juste assez pour ne pas. Pas trop ralenti non plus. C'est pénible. Allez, je bouge plus. Je reste là, mais. Marche.
Si vous êtes que deux, tu peux mettre l'auto-évitement à off aussi, Jérôme, je sais pas si c'est ça qui joue. Je sais pas, il fait du gauche-droite, pourtant j'ai essuyé l'écran, je... Oui, mais si t'es dans la route Joël et que tu dépasses, ton avatar va le dépasser. Ah non, mais là je le dépasse pas, parce que je peux te dire que je suis un peu dur. Ok. Je vais aller juste en haut de la bosse. Ouais. Alors, il y a une grande partie de toute plate là. 1, 2, 3. Ok, donc il y a 1 km de descente. Hein. On coupe le tournant, mais pas trop, parce que si on coupe vraiment trop à la corde, l'avatar ralentit trop. Mais qui a hâte le 68 oh.
Ah, le double vidage de bois sur une montée de 5-6 km. Nous baissons sur plus de 100 produits. Alors profitez-en pour aménager, décorer et ranger votre intérieur. Comme avec la commode Malme Blanche sur tiroir, 99,99€ au lieu de 109€. Rendez-vous en magasin ou sur ikea.fr. Allez, je continue encore, hein. Je peux faire 4 fois, mais allez, allez, allez. La course de 40 km, c'est long, hein. Allez, vas-y, prends ma roue. Je t'emmène au sprint. Allez. Sinon, là, sur le chat, vous allez bien? Vous avez préparé votre sortie des week-ends? J'espère que tout le meilleur qu'ici. Vous n'avez pas d'orage? Allez, vas-y, Joël, va. Salut. Moi, je vais tranquillement finir en zone 2. Parce que de toute façon, je ne peux pas faire beaucoup mieux. Donc, un quart d'heure de zone 2. Ouais, bravo, je veux. Sacré finish. Ouais, sacré course, fort. Il y avait plus de 5,5 km d'avance sur moi. Hein. Costaud, donc Joël, ses points vont compter pour le classement par équipe du Vuelta. Et merci Régis du coup, ouais, d'avoir fait jusqu'au bout. Ah, j'ai tout donné, j'ai explosé dans la deuxième montée. J'arrive pas à tenir en boîte. GG. Ah, c'était cool la deux, la fin. Et du coup, ouais, la différence par rapport à certaines courses que vous pouvez voir, c'est que du coup, sur RGT, il n'y a pas de catégorie d'habitude. En tout cas, à l'inscription, il n'y a pas de... Tu m'as attendu mentalement. ...de catégorie imposée. Tout le monde court ensemble. Du coup, Jérôme, Joël et tout ça, ils ont un niveau dehors. Moi, j'ai un niveau à la limite entre B et C. Il y a un peu de... Tu disais un peu de caisse. Hein. Alors, pour toi peut-être... Pour moi, coup, chacun ses objectifs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est pas la reprise, donc ça vient d'autre chose. Oui, oui, non, mais... Bah, la longueur des efforts, c'est tout. Il y a deux fois 15 minutes d'effort, là. Ouais, ouais. Plus le couplet à fond, donc c'est limite trois segments, trois gros segments à fond de 15 minutes. Ah, 116 de TSS, c'est pas si mal. En devant, le Hollandais et l'Écossais se sont rejoints. Donc ils roulent ensemble. Enfin, quand je dis qu'ils roulent ensemble, l'Écossais est dans la roue du Hollandais. Je pense qu'il est très léger au fer et du coup il a du mal sur le plat. Déjà tout à l'heure entre les deux côtes, c'est moi qui l'ai tiré. Là c'est le Hollandais. Bah, il devait pleuvoir aujourd'hui comme pas possible. Pour l'instant il n'y a toujours pas une goutte d'eau. J'espère que c'est pas demain qu'il va pleuvoir parce que demain moi je veux sortir. Ça me ferait chier. C'est Joël, toi t'es Angers ou région parisienne, non, je sais plus. Je suis ouais à côté d'Angers. Ah Angers, c'est ça. Bah, je suis à 45 bornes, mais bon, c'est vraiment à côté quoi. Oui. Les gens commencent à parler, je vais le couper du stream. Je vais regarder dans l'oreille, mais. Qui est Angers. Je vais... Où êtes-vous, Discord?
Comme ça, moi je les entends, mais comme ça, s'ils veulent discuter, ça ne part pas sur le stream. C'est intéressant quand même de streamer ce truc là. Explosion en cours de vol tout à l'heure. Je sais que je suis observé donc je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Même pour moi hein, personnellement, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Même si là, les jambes, ça fait déjà 10 km qu'elles ont dit stop. Et je sais extrêmement bien d'où ça vient. Il y a eu énormément de taf au boulot. On fait deux toutes petites nuits. Et la fatigue, c'est très important. Pour les jambes ne peuvent plus. La tête qui prend le relais. Et là, la tête, quand vous êtes fatigué, la tête ne prend pas le relais. Il y a pas de motivation. Mais c'est à chaque fois pareil. Donc évidemment, la fatigue physique joue sur les capacités physiques, mais c'est surtout sur le mental. Allez, Toto, on reste en zone 2 là. On se force, il y a quand même un mec derrière. Ah oui, j'ai fait. Ils sont partis assez fort aujourd'hui là. Ah, ils partent à chaque fois fort, mais aujourd'hui c'était vraiment plus que d'habitude encore. En fait, dès que ça part en descente, tout le monde est stressé de louper le draft. Il y en a tellement. Que du coup, tout le monde part à fond. Allez. En 4 minutes, c'est fini. Ah bah, ma course, c'est déjà d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, là. Voilà. J'ai fait des toutes petites nuits là cette semaine-ci et la tête elle a pas pris le relais du tout. Derrière il est cuit aussi, il ne nous rattrapera pas. Donc sur ce créneau là on a assuré notre place. Toute nouvelle souscription à l'offre SFR Fibre Premium sous réserve d'éligibilité, engagement 24 mois. Donc on était une cinquantaine au départ. Donc 23e, c'est pas si mal. 23e, la moitié c'est les bottes. Et du coup pour les bottes, la moitié de devant, la moitié de derrière. Donc à la moitié des humains, c'est pas si mal. Regardez, vous avez un Norvégien ici, un Anglais ici, un Australien ici, un Sud-Africain ici. Monsieur Carceller. Ouais, salut, bon week-end. Le japonais qui vient de finir la montée. Le portugais, monsieur Ferrara, qui est encore dans la montée. Linda, qui organise les courses d'endurance le samedi soir, qui est encore dans la montée. Là, je te dis, moi je suis encore à 1 km de l'arrivée, donc...
c'est-à-dire une autre course. Ah, il y a la T2 Arena, non? Je ne sais pas si elle est organisée ou pas maintenant. Je pense pas. Si. Non, non, mais elle serait pubée sur l'appli. Mais sinon, ouais. Le seul truc qui remplace à peu près RGTDB en ce moment, c'est le site de Router que j'ai pubé sur Discord. Mais j'ai pas plus que ça. Du coup, ça fait apparaître les courses qui font partie d'une série. Si tu cherches standing, tu verras. Parce que il y a le mot standing dans le lien. Non, non, c'est que les courses qui sont dans une série qui ont été enregistrées sur le site de Water, donc c'est très peu, mais c'est tout ce qu'on a pour l'instant, le temps qu'ils remettent en place l'autre. Yes. Et après, c'est les trucs le soir. Les King of the Castle, les Ratio Racing, les OTR vétérans, la classique, l'Omnium, les trucs des Anglais. Mais tout ça, c'est le soir. Ouais. Le truc des Australiens, c'est le seul truc du matin, mais c'est en semaine, je crois. Ouais, bah demain, du coup, si je fais un truc, c'est la Vuelta. Non, non, il y a plusieurs canaux, il y a aussi Rover du matin, je crois. Allez. Ok, ça marche pour aider Régis. Ah oui, oui, oui. Bah moi j'y serai pour aider Régis avec ce que je peux, mais on est pas. Tant mieux s'il y a quelqu'un de plus quand je vois ma forme d'aujourd'hui, ça serait pas plus mal. Moi je vais essayer de bien me reposer aujourd'hui parce que vraiment la fatigue. Pas bien. Ouh. Ouais voilà, ton seul espoir c'est de battre Water en croisant les doigts que Régis vous batte tous les deux, mais... Ça fait beaucoup d'énergie pour un truc un peu random. Ouais, GG Régis, du coup tu vas pouvoir défendre ton maillot demain. Donc demain, si je le fais, c'est à la même heure à 9h. Et c'est beaucoup plus plat, c'est 8 tours d'un circuit. Moi ça m'a motivé parce que théoriquement je les tiens pas, en ce moment je les tiens pas si longtemps, tu vois. Bah là, entre la première montée, la deuxième montée et le plat, vous avez fait 3 tests FTP pour toi. C'est ça en fait, t'as fait 3 fois 15-20 minutes au-dessus de ta FTP. Non. J'ai fait les montées, je les ai fait en 15 minutes et presque 17 minutes la deuxième. Bah c'est ça. Bah ouais, ok, à 3 minutes près. C'est comme si t'avais fait 3 tests FTP quand même. Ouais. Ou 3, 4 à 10% de tests FTP d'affilée. Ouais, c'est ça, si on veut. J'aime bien, à chaque fois j'essaie de te dire à quel point t'as bien fait. Et à chaque fois tu me dis, oh non, en fait, c'est de la merde. Ah, quand je vois Interval, il me dit que mon ride FTP est à 264. Ça veut dire que j'ai pas fait de test FTP, tu vois. Alors non, moi c'est pas comme ça que je le vois. Et tant que t'as pas fait une amélioration de la FTP, le truc d'intervalle se diminue au fur et à mesure. Je sais pas comment expliquer.
Ah, oui, j'ai pas l'impression qu'il te donne par course la vraie estimation de FTP sur cette course. Je comprends. Parce que des fois, je fais des trucs tout de zone 2 et il me dit FTP moins 2 watts, tu vois. Ouais, je vois. Attendez. Moi aussi, j'aime bien regarder ce que ça a donné sur Intervals. Pourquoi est-ce que je suis mort comme ça? Je vous partage ça de suite, ne vous inquiétez pas. Mais c'était cool aussi, je dis, il y avait Jérôme et puis Nicolas Pivoto. Ouais, j'ai vu. Il y avait Jérôme et Nicolas. Roulé, bon, ils ont roulé devant. Pour le coup, j'ai très vite craqué, perso. J'avais plus les jambes. Là, ce matin, ça va, mais je dis, c'était vraiment dur pour moi, putain. Et ben les stats, c'est pas ça. Hein. Je dis, j'ai pris le contre-coup de ce qu'on a fait la veille, tu vois. Ouais. Contre la montre, là. Ouais, c'est ça. Je vais devoir boire bien, bien beaucoup aussi. J'ai bien, bien soif. Alors ça, c'est bien, la récup du cœur, là. Ça fait bien longtemps que je l'ai pas eu comme ça. Hop, 26, bien retombé pendant la course, ça c'est cool. Après, j'ai vraiment plus rien foutu. 1h25 de zone 3, c'est pas fantastique. Donc zone 3, zone 4, pendant 1h30 de course. Et le cœur tour en zone 4, je suppose, ouais voilà, zone 2 ou zone 4. Pas d'intermédiaire. Bon, bah, c'est pas fantastique, mais c'est pas non plus ridicule. Allez, le stream. Attendez, je vais vous enlever ça. J'espère que ça vous a plu quand même. Oh, j'ai bien aimé le parcours. Oh, le parcours était sympa quand même. Ce matin, bah oui, carrément. Et double montée, c'est rare. Et puis les bosses, tu vois, même si elles étaient longues, le fait qu'il y ait des paliers, t'as un objectif qui est relativement rapide à atteindre. Et ça te fait du bien au moral quand même. Yes. Si t'as... Du coup, le stream, je vous envoie chez tout ce qu'on prend pendant 15 minutes. Restez curieux. Toujours.